Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon démaquillant favori en ce moment. J'ai utilisé plusieurs démaquillants avant ça que j'achetais en supermarché. Celui que j'utilisais le plus, c'était celui de chez Maybelline, biphasé avec le bleu et le transparent en dessous. Quand vous mélangez, voilà, ça fait quelque chose d'uniforme, un peu sous forme d'huile. J'utilisais toujours celui-ci. Et puis depuis peu, j'ai voulu tester autre chose. Et celui qui m'intéressait beaucoup, c'est celui de chez Sephora. C'est une gelée micellaire. Alors, il y est sous deux formes différentes. C'est toujours la même chose, hein, gelée micellaire, il me semble, ou au moins de la gelée démaquillante, ça c'est sûr. Il y en a un qui est vraiment spécifique que pour les yeux. Et moi, j'ai celui donc pour le visage, pour les yeux et les lèvres. Mais je vais vous montrer après que finalement j'ai acheté une huile exprès en gel, pareil, pour les lèvres. Donc je vous montre tout de suite ces deux produits. Je vais commencer par vous parler de mon produit favori qui est la gelée micellaire donc démaquillante. Je vais vous mettre un petit plan que je vais prendre du coup de ma vidéo paillot. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'infos. Justement, je vous parle d'un lait démaquillant pour le visage. Puisque cette gelée micellaire, je l'utilise essentiellement pour les yeux. Et je vais vous expliquer pourquoi au fil de la vidéo. Donc je vous mettrai des plans aussi que j'ai pris dans ma vidéo, mon ancienne vidéo, pour vous montrer comment est-ce que je l'utilise. Mais c'est tout bête, hein, c'est sur un coton, tout bêtement, voilà, qu'après vous appliquez sur les yeux. Donc moi je préfère l'utiliser uniquement pour les yeux. Après il est possible de l'utiliser pour le visage et les lèvres, c'est sans rinçage. Moi je préfère l'utiliser pour les yeux parce que du coup, comme je vous disais dans mon ancienne vidéo, je porte des lentilles de contact et c'est vrai que j'ai les yeux qui sont assez sensibles du coup. Donc je préfère utiliser ce genre de produit là vraiment pour les yeux, et pour le visage utiliser autre chose, mais ça c'est vraiment personnel. Après, comme je vous disais, vous pouvez faire les deux avec aussi les yeux, visage et lèvres, enfin les trois du coup, c'est tout à fait possible. Et pourquoi est-ce que j'aime ce produit tout particulièrement? Je voulais tester une gelée pour les yeux. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. D'habitude, j'utilisais des lotions biphasées. Mais ça me tentait vraiment beaucoup, c'est ce genre de produit-là. Et c'est vrai que celui de chez Sephora, puisque j'ai utilisé que celui-ci, enfin j'ai testé que celui-ci sous forme de gelée, c'est génial. Voilà, c'est un démaquillant vraiment qui est top. Moi, ce que j'aime beaucoup justement, c'est cet effet gel. C'est très rafraîchissant le soir quand on se démaquille après avoir passé toute la journée. C'est très agréable, ils vous disent que c'est ultra doux et c'est vrai. C'est vraiment une gelée micellaire très douce. C'est à l'extrait de bleuet. Effectivement, j'avais déjà entendu parler du bleuet. Il paraît que c'est quelque chose de très bien pour l'hydratation de la peau et pour le démaquillage. Donc vraiment que des points positifs d'utiliser ce démaquillant-là. Le fait que ça soit une bouteille sous forme de pompe comme ça, c'est vraiment très pratique parce que vous pouvez doser la quantité que vous voulez, si vous voulez mettre sur votre coton la quantité pour votre visage entier ou juste pour nettoyer un œil, ça ne sera pas la même quantité bien évidemment. Donc pouvoir doser comme ça, c'est très pratique, vous pouvez le fermer, l'ouvrir, bon voilà, comme une bouteille sous forme flacon pompe basique. Au niveau de la quantité, c'est un 400 ml, donc vous en avez pour un bon moment. Donc moi, il m'en reste plus beaucoup, sachant que je l'avais acheté pour Noël. Puisque j'avais... oui, c'était pendant les promos à Noël, etc. Donc voilà, depuis décembre, il me reste encore ça, sachant que je l'utilise que pour les yeux, du coup. Donc bon, j'en ai eu quand même pour un bon moment. Dans cette gelée, comme vous pouvez le voir même sur le packaging, là, ils vont mettre des petites bulles. Je vous ferai des plans d'un peu plus près. C'est vrai que ça fait des petites bulles à l'intérieur. Ils appellent ça des bulles purifiantes. C'est donc ce qui attrape les impuretés, etc. Tout ce qui est votre maquillage pour pouvoir le retirer tout en douceur. Donc c'est vrai que moi, ce produit-là, vraiment, je l'adore. Je pense d'ailleurs que je vais prendre celui qui est uniquement fait pour les yeux. Puisque j'ai pas du tout l'utilité de celui pour le visage et les lèvres, etc. Donc je pense que le prochain, quand je prendrai le prochain, puisque j'arrive bientôt à la fin de mon flacon, mine de rien, je pense que je prendrai celui qui est vraiment fait que pour les yeux. Donc c'est toujours un format pompe comme ça, mais la bouteille est un peu plus petite et c'est vraiment essentiellement pour les yeux en fait. Cette gelée micellaire est vendue à 13,90€ sur l'e-shop ou en magasin chez Sephora.
Le deuxième produit que je vous présente, je l'avais acheté en solde et du coup je me souviens plus du tout le prix initial, mais je pense que vous pouvez le retrouver de toute façon sur le site internet de Sephora ou même en boutique. C'est une huile en gel, donc démaquillante, mais qui celle-ci est faite uniquement pour les lèvres. Ben comment dire, je m'étais dit bon super c'est en solde, je paye ça pas très cher, je vais tester, donc je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel et que ça fasse des miracles, mais je suis hyper contente de ce produit. C'est une huile, donc du coup vous avez l'impression que c'est hydratant en même temps, c'est très très agréable à utiliser. Alors au départ c'est un peu particulier parce que du coup je vais vous montrer un petit peu l'embout. Je vous ferai des plans de plus près du coup pour vous montrer. Donc ça fait un petit embout comme ça, vous appuyez, il y a le produit qui sort donc sous forme d'huile que vous appliquez directement sur vos lèvres pour pouvoir les démaquiller. Vous laissez poser un petit peu et après vous prenez un coton et vous essuyez et tout part. Alors comme ça on ne croirait pas, mais le fait que ça soit une huile, je pense que du coup cet effet un peu... graisse quoi, vraiment huileux, fait que tout se retire automatiquement. J'utilise moi uniquement des rouges à lèvres mat, donc c'est vrai que ça a un côté un peu asséchant pour certains rouges à lèvres, et le mat c'est quelque chose qui est pas forcément facile à retirer contrairement à un gloss ou un rouge à lèvres basique, et cette huile là mais c'est parfait. Et du coup ce que j'apprécie beaucoup c'est le fait qu'après avoir Du coup, ce que j'apprécie encore plus avec ce produit lorsqu'on enlève un rouge à lèvres, c'est le fait que une fois que vous l'avez enlevé avec le surplus avec votre coton, donc tout le rouge à lèvres que vous aviez sur vos lèvres se retrouve sur le coton, et vous avez cet aspect un peu de lèvres quand même un minimum hydraté, puisque comme je vous le disais, quand vous utilisez notamment des rouges à lèvres mat, vous avez tendance à avoir des lèvres un peu asséchées après. Bon, ça dépend des marques que vous utilisez pour les rouges à lèvres. Mais avec cette huile, du coup, on a l'impression que ça a un petit peu aidé vos lèvres à se repulper, en fait, légèrement. Parce que c'est vrai qu'après avoir des lèvres sèches, vous avez des petites peaux qui s'arrachent, tout ça, c'est vraiment désagréable. Et avec cette huile-là, ça permet d'éviter trop ce dessèchement, en fait, qu'on peut avoir avec les rouges à lèvres, tout simplement. Donc c'est très pratique, c'est un petit flacon de 15 ml, donc il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps la surface des lèvres c'est pas quelque chose qui est assez dense, donc du coup il n'y a pas besoin voilà, d'un gros flacon, ça suffit amplement. Pareil, je l'utilise depuis décembre du coup, puisque je l'avais eu pendant janvier, puisque je l'avais acheté pendant les soldes de janvier de cet hiver. Et c'est vrai que ça réduit quasiment pas, et puis ce qui est vraiment pratique c'est cet embout où vous pouvez vraiment doser la quantité que vous souhaitez. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous en mettez vraiment juste sur vos lèvres. Vous laissez poser un petit peu, donc moi ce que je fais en général c'est que je l'applique, je le laisse poser le temps que je me démaquille les yeux, je me démaquille le visage, et une fois que j'essuie tout mon visage avec un coton ou ma serviette, et ben j'utilise aussi un coton pour effacer, pour enlever tout ce qu'il y avait sur mes lèvres tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.